Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo suite à l'update, à la grosse mise à jour d'Assetto Corsa Competition et notamment à la mise à disposition du DLSS, donc le DSS de Nvidia qui permet d'avoir des performances, qu'on va dire, d'après Nvidia sur certains jeux doublés. Alors j'en étais un petit peu étonné par rapport à la dernière vidéo qu'Nvidia avait proposée pour Assetto justement. Donc on va regarder ici en vidéo moi ce que j'ai. Alors des chiffres parlent beaucoup plus qu'autre chose, donc c'est pour ça que je vous ai présenté cette vidéo. Moi j'ai une résolution 4K sur mon écran, donc je vais vous présenter d'abord sur l'écran 4K en réglage épique, donc le maximum d'ACC. Donc il y aura du DLSS version qualité, équilibré et ultra performance. Je vais également essayer le FSR, c'est la version AMD. Bizarrement, ça fonctionne également. Ensuite, on va passer en VR avec mon HP Rivium G2, donc en VR élevé. Cette fois-ci, je suis pas en épique, c'est impossible sur ACC. Et avec le DSS équilibré et qualité. Donc pour le processeur, j'ai un i9 9900K et en carte graphique un RTX 3080, 32 Go de RAM. Autant vous dire, c'est quand même pas trop mal. C'est pas le maximum de ce qui se fait aujourd'hui, mais ça tourne vraiment bien sur tous les autres jeux. Donc j'en attendais vraiment beaucoup de ce DLSS. Je vous laisse juste vous faire des idées sur les FPS. Hein. Tout est indiqué. Consommation, ressources CPU, GPU et les FPS en direct. Voilà. Donc n'hésitez pas dans mon commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Je ferai une autre petite vidéo sur le contenu, c'est-à-dire sur les différentes améliorations, notamment les pneus, le véhicule, la BMW qui a été mis à disposition. Mais en tout cas, je voulais vraiment au moins vous faire ça, parce que moi j'ai des problèmes vraiment notables sur ACC, ne serait-ce que les graphismes. Alors il est joli, ne confondez pas, je vois beaucoup de commentaires, ne pas confondre beau et avoir un bon rendu. Il est beau avec ses effets, par contre il y a beaucoup beaucoup trop d'aliasing et on voit quasiment plus rien à 50 mètres, on sait plus lire les panneaux. Donc voilà, donc pourtant j'ai un très bon casque, une bonne machine. Et chez moi, ça ne marche pas. Donc, on continue, je vous dis, à échanger dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à une prochaine. Tchuss!